Salut, petite vidéo pour expliquer brièvement comment on joue Jean-Louis de Yves Jamais. Donc le couplet, ça commence un barré en cinquième case, un ré mineur. Ensuite la mineur. Ensuite un sol mineur, c'est la même position que pour le la mineur mais en troisième case. Puis on revient sur le ré mineur. Puis là, petite subtilité, un accord dont je ne connais même pas le nom, ça doit être un mi quelque chose. Le plus simple c'est que je le montre corde par corde. Donc en cinquième case, hop, le petit doigt ici, juste au-dessus. Ensuite un la majeur, donc ça fait adieu mon vieux Jean-Louis, j'ai comme des langueurs, c'est semblable à des cris, ça vient de l'intérieur, ça me déchire un peu, jusque dans les artères, comme ce vin trop vieux que t'aurais laissé ouvert. Si vous n'arrivez pas à jouer cet accord-ci tout bizarre, c'est pas une position facile à appliquer, on peut remplacer ça par un mi majeur en 7ème case. Ça marche aussi, on va dire. Donc, ensuite, pour le refrain, c'est le ré mineur et le la mineur. Parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. Et pour la suite, on monte d'un demi-ton à chaque fois. Donc on garde le même schéma. Ben, d'un demi-ton, donc une case en plus. Donc ce monde nous échappe. On n'est plus que des cons à passer à la trappe, celle des générations. Je regarde mon ombre, elle me ressemble pas. Elle est plus grande que moi, tiendra-t-elle dans ma tombe? Et ainsi de suite pour le couplet, on monte d'un demi-ton. Alors avec ça, il y a une petite mélodie. Si vous avez un copain qui joue de la guitare et qui se sent de la tenir tout le long. Donc, barré ici en cinquième case, les deux dernières cordes. Chose quand on monte d'un demi-ton. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous arriverez à la jouer. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À plus tard.